Il y a des gens qui vivent la réalité, mais la vérité c'est autre chose. Je vous parle d'un homme. Avant que je touche ce passage de la Bible, lorsque on est venu dire à Jésus que Lazare est mort, quelle a été la réponse de Jésus? Il a dit quoi? Notre ami dort. Dites-moi. Entre ce que les gens disent de Lazare et entre ce que Jésus dit, qui dit vrai? Mais or, ce qu'ils disent là, c'est la réalité. Mais Jésus parle selon la vérité. C'est-à-dire, le ciel ne connaît pas la mort de Lazare. Mais sur la terre, les gens connaissent la mort de Lazare. Laisse-moi te dire, est-ce que si quelqu'un veut dormir, il est obligé d'être malade? Hein? Si vous voulez dormir, vous êtes obligé d'être malade? Mais la situation de Lazare a commencé comment? C'est par la maladie. Donc pendant qu'il est malade, c'est une réalité. Mais le ciel connaît que Lazare est en train de dormir. Pendant que Lazare rend l'âme sur la terre, les gens savent qu'il est mort. Mais le ciel connaît quoi? Que Lazare est en train de dormir. Pendant que Lazare est en train de se décomposer, les gens déclarent qu'il est en train de sentir mauvais. Mais le ciel reconnaît que Lazare dort. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre des réalités que le ciel ne connaît pas, parce que le ciel dépend de la vérité.